là 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 là. Harcèlement téléphonique, une maman. Ah, oh, ça fait suer. Je me suis extrait une tique. Une tique dans le biceps droit. Et ce qui m'effraie, c'est de me dire que là, ça date forcément du jardin. Parce que les derniers endroits où je suis allé, c'est le jardin. Je suis pas encore mis mon nez dehors. Merde, ça veut dire que j'ai des tiques sur mon terrain. Oh, fait chier. Bon, allez, suite de la mission. Donc j'ai repris, vous le devinez, bien plus tard, après le bug. J'ai une pause déjeuner. Oula, putain, la porte m'a fait peur. Only a couple of trains are running. Only a couple of trains are running. Is that? Je fais ça, il me voit, ça me rend fou. Là, on est d'accord, il ne me voit pas. Nom de Dieu. Matches the description. We must apprehend these men. C'est incroyable! Ils me tournent le dos, ils arrivent à me voir. You travel at your own risk tonight, monsieur. What? Mais comment il devine? Mais vous ne me voyez pas, c'est pas logique. There is something about this one. Elle est où la logique dans le jeu, franchement? You travel at your own risk tonight, monsieur. Yes. Travel advisories are in effect. Est-ce que je peux influencer le Mickey avec ça? Entre nous. You travel at your own risk tonight, monsieur. Travel advisories are in effect.
Do not force me to report you. Mais je te force à rien du tout, mon cochon. Is that... Comment? Ça me rend fou, moi. Comment ils savent que je suis en train de crocheter? Oui, ils ont une super oui, mieux que les augmentés, je comprends pas. Et lui, il est pas freiné par le code? Ah non, il est content de ça, l'intelligence artificielle est pas conne. Only a couple of trains are running. You travel at your own risk tonight, monsieur. Bon, je renonce au... Parce que je vois pas comment je peux les guaquer. Ici, français, you travel at your own risk tonight, monsieur. Only a couple of trains are running. Make sure your travel documents are in order. Ah, et tant pis pour le décompte. Il n'y avait rien. Bon allez, je retourne faire ma vraie mission, faut que j'arrête les conneries. The terrorism alert is still active. Pas un bon chemin. I've got line of sight. Must have been a glitch. Bandit, he's close. Nothing. I really have to get my sonics. Trop balèze. Je pense que je peux le faire, mais c'est, ça va être balèze. I
Non, il était trop ouvert. Ah, je fais de la merde. Je pense une autre approche. J'ai pensé qu'il y a la porte après. J'aurais pas dû bouger. Qui est con. Right there. Nope, just nerves, I guess. Thank you.
I've got a bogey, no ID. Le mec, il est en beau milieu de la rue et personne ne le repère. Je ne reviens pas que je me sois extrait une tique.
Ça sert quoi les grenades virales en fait? Ouais, c'est pour neutraliser des gros robots. Si je fais ça, mon humble avis... Someone's there. I can hear you. Yeah, false alarm, I guess. Oh là là, il y a trop de monde. Attends, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh là là. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un...
truc là-bas. L'attaque du ninja, quoi. Charme de la vie parisienne, yo. Mm.
Je fais usage des jumelles. Utilisation de la paire de jumelles militaires. Merde, j'ai fait une connerie. Je n'ai plus usage de la paire. Elle a 40 mètres de yen. Barricade en béton. Si le mec a une signature MJ12, je le bute. Oh. Ah, c'est le cas. Ah, ça me bouffe psychologiquement de me dire que je me suis fait croquer par une tique et que je l'ai extraite il y a quelques heures. Ah, ça me bouffe. Enfin, c'est elle qui m'a bouffé.
Just nerves, I guess. Oh, là, je l'ai là. Scanning area. Il repart ce con. Il repart. Munitions et. Ah. Ah, c'est bon là. Ça, je dis oui. Attends, je vais boire un coup le temps que le robot refasse son cycle. C'est reparti, allez. MJ-12 has the cathedral locked down. If you can't get through one of the doors, you will have to find another way. I'm not sure where the computer system is located. Oh, la cathédrale est jolie. In a coat, I'm checking. Watch yourself. This one's some kind of mech. Oh, d'accord. Celui-là pour que je me le fasse. Once I knelt in this chapel for communion, with two Rockefellers and a Rothschild.
Since the time of the Crusades, every leader in finance has prayed for the continued stability of temporal banks. Found it on gold. Déjà du rigolo sur le côté gauche avec son arbalète. C'est un très joli Pinocchio. T'es beau. La méchidité. Ça fait du bruit hein, les cailloux parisiens. Les galets parisiens. C'est des galets apportés de Paris plage. Putain mais ils sont combien? Attends. Je vais tous me les faire aux alentours de la cathédrale. Évidemment, d'abord l'extérieur et ensuite l'intérieur, mais les salauds, ils sont combien? Attends, il y a un local, là. Oh, c'est beau, Paris! Oh, putain. J'ai pas compris comment il m'a repéré, le Mickey.
ça va prendre le temps dans les jeux d'infiltration. Looks like a false reading. Visual. Je me suis fait avoir comme un bleu. Je pensais pas qu'il allait faire un moonwalk. On va dire ça. Le générique à l'orgue. Très bien. Dégomme le snipe à l'intérieur de la cathédrale, putain. Oh là là. Once I knelt in this chapel for communion with two Rockefellers and a Rothschild. Since the time of the Crusades, every leader in finance has prayed for the continued stability of Templar banks, founded on gold. Visual. Contact. The sun is still alive. Il n'y a pas beaucoup d'options, je te le dis. Voilà. Oh, un pied de partie supérieure aussi. Once I knelt in this chapel for communion. With two Rockefellers and a Rothschild. Since the time of the Crusades, every leader in finance has prayed for the continued stability of Templar banks, founded on gold. J'espère qu'il fait pas le tour ce con. Visual. Oh non. Il fait le tour. Thank you.
Ça saurait si j'avais le bon code. Je vais finir par pénétrer dans cette foutue cathédrale, je te le dis, moi. I knelt in this chapel for communion with two Rockefellers and a Rothschild. Since the time of the Mais deux coups leur suffit depuis quand ils en font un troisième? Quand il n'est pas en état d'alerte? Putain, j'en reviens pas, il a résisté à mes deux coups l'autre. I knelt in this chapel for communion with two Rockefellers. Merci. Since the time of the Crusades, every leader in finance has prayed for the continued stability of Templar banks, founded on gold. Dis bien de progresser un peu. Je vais venir les voir dans les étages. Mais c'est un rat. Carcasse de rat. Oui, j'ai que des torches. Dans la cathédrale Gunther. La putain de machine. Il va trembler. Il va se faire un cyber AVC. Oh putain. I've got a bogey, no I've got. Merde. De me faire avoir comme un bleu, vilain pouilleux.
merde. SOB. Putain. À mon tir de snipe alors que je suis à 20 mètres à peine. Worth its weight in gold. C'est la danse des snipers là ou quoi? Ah comment je me fais buter? Salaud! Le MJ-12, il se retrouve vite à plat.
granted access to us. That's Il y a l'intelligence artificielle maligne qui est en stress. Alors, on commence à négocier. Ah, c'est une balise de navigation sur la Seine. Je me disais, merde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils sont trop nombreux. Sérieux, le clown il m'a pas entendu. La grosse provoque. Ah, il pleut des sièges aujourd'hui sur Paris. Moi je me suis fait descendre. Mais si j'y vais direct, je peux pas la battre. Suis-je mort? Oh.
Alors, le truc pas logique, c'est quand tu recharges, t'as le pointeur qui... Sir. Qui est pas là où il y a le canon. Ce qui est affreusement illogique. J'ai beau Paris la nuit. J'ai Paris la nuit. C'est logique ça, c'est d'avoir été bouffé par une tique. Histoire de d'accès souterrain de soin que je ne connais point. Oh ce bordel. Faire ça, c'est drôle. Ça fait du bien. Thank you.
invoquer un petit copsicri. Alors, bah c'est bien. Alors, Infocube, adepte 34501, ordre de nuit étoilé, 3e grade. Ceux qui gouvernent avec majesté, les 12. Oui, c'est-à-dire, moi j'ai 10-12. Oh putain, j'ai accès à tous les codes. Oh, c'est génial. Ceux qui gouvernent avec majesté, les 12, vous ont programmé pour surveiller cet endroit et enregistrer tout ce qui s'y produira. Vous pourrez ainsi les faire bénéficier de vos observations de la même manière qu'ils vous ont fait bénéficier de leur sagesse. On vous confie une clé du caveau de Sidon, 1942. On vous confie une clé de la fontaine de la sagesse, 0022. On vous confie un nombre et un secret. Oh, 34501 et 08711. Vous garderez toutes ces choses avec vie et âme, et si vous faites votre devoir, le quatrième secret pourrait trouver sa place dans votre cœur. Signé 12. Quoi ? Liste d'individus compromis du MJ12 Paris-France. Les individus dont les noms suivent ont une probabilité égale ou supérieure à 85% sur l'échelle de Chazen-Bikal d'être engagés dans des activités suspectes ou idéologiquement antiproductives et où ont été notés 4,31 au minimum dans l'étude JKLLB relative à ces 6 derniers mois. Les agents sont encouragés à mener des campagnes discrètes de diffamation calculées, entraînant la réduction d'efficacité de la propagation plutôt que de recourir systématiquement à la solution terminale. Celle-ci, lorsqu'elle s'avère nécessaire, doit être organisée de manière à impliquer des organisations dont les noms figurent sur la liste du MJ12 Call. Merci de transmettre toutes questions ou remarques à MJ12 Simulation et Stratégie. Sur le net, ouais. Bon, bref. Alors, Jean Renoir, Erin Todd, Decker Park, René Delon, René Delon, Wayne Young, Henri Rota, Ave Javet, Raymond Kearns, oh mon dieu. Oh mon dieu! Quoi? Un extincteur. Putain, je l'avais pas vu ce con. Heureusement que je suis baissé. Terminal de sécurité. Moi, je vais me faire une joie de le trafiquer. Pistolet furtif, j'ai déjà. Alors, couteau de lancer, bon du crédit, 400. Oui. Le MJ12, j'ai du pognon. Ah, bah là, on va se faire plaisir. Alors, je crois qu'on va bien foutre la merde dans la cathédrale. La messe est dite. Ah non. Oh, je suis déçu. Archives technologiques. Quoi? Enfin, téchologiques. Archives téchologiques. C'est entre la technologie et la théologie. C'est la téchologique. Oh, les cons. Non, mais vous êtes sérieux, les gens? Attends, je vais attendre. Il n'y avait rien d'autre. Soupir, ça va être rapide. Réseau Majestic 12. Aucun signal. Hein. Oh, bah merde alors. Je vois un ordi. C'est trop bizarre. Vite, log out. Non, je pense pas que. Non, j'ai pas ce qu'il faut ici. Bah, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier? Oh, j'ai plus beaucoup d'explosifs, non. Non, mais je vais me promener. Je vais me promener. Attends, putain. Pardon, je suis grossier parce que là, je suis en train de me faire mal au crâne et au cul. Je suis assis en biais sur mon coussin oreiller fessier, là. Et ça fait très mal. Ouais.
là. C'était quoi le message? La fontaine ou le caveau? C'est certainement pas le caveau, je suis trop haut, donc c'est 0,22. Ça, c'est la fontaine. Quoi? Non, mais... T'es pas sérieux? Tu vas pas me dire que j'ai accès au caveau à cet étage? C'est pas le 1942, si? Oh si. J'ai accès au caveau d'ici. What? Mais vous êtes sérieux les gens? Ah merde. Il y a une caméra que je ne comprends pas. Ça c'est de cryptage. Pourtant, je passe. Ah, hop là. Return of the Mac. Yes, I am. Qu'est-ce qu'il y a? Une caresse? The gold. Wonderful. My people will take control when you move out. I believe you know Chad. I've given him control of an NSS platoon on loan to me from America. Ah ouais. Oh! Il faut que je pirate cet endroit. Et puis il y a de l'ambrosie en plus. Putain, la totale. Il y a de l'ambrosie. Merde. Putain, mais il y a des caméras partout. Comment veux-tu que je passe sans me faire voir? C'est impossible. French treasury for Philip the Fair. They moved it here from the temple in Paris after the crackdown of 1307. The Nazis boxed it up for shipment to Berlin, but had to abandon the cathedral during the evacuation. Oh, it's not us. Oh, merde. Ah, ah. Et elle ne me voit pas. Ah, si. C'est la fête là. Faites pas rire. Mais il n'y a pas de terminaux de... Attends. Ah non, il n'y a pas. Je trouve ça trop bizarre. Ça me va. Oh,
Je suis en joie. Incroyable, mais vrai. Je ne peux pas mon accessoire lunettes, je l'ai déjà partout. Oui, bah attends, je vais faire le cocktail là, j'en profite. C'est un blason. Ah oui, il y a les nazis qui ont estampillé les caisses. D'accord. Sauf qu'ils n'ont pas le temps de les embarquer, comme il m'a expliqué. Ok. C'est quand même l'or de la Banque de France, quand même, par défaut. Ah, si j'ai pas de conneries. Merde, c'est bon, bientôt. Oh, de l'ambroisie. Recharge-moi. Je crois qu'elle me plaît beaucoup cette cathédrale. Ah merde, je sais pas ce qu'il faut. Attends, j'aimerais vérifier une chose. Je suis mort. Ou 1942. Hein? Je me saisis. Yes, obey your new masters. Come to me. Mais il est con à ce point, Gunther. Thank you.
salope, ça s'est refermé. Ah, je suis fait prisonnier en fait. Ah bah non, y a pas au-dessus aussi, mais... Tiens, j'avais pas le code. Saloperie, je peux pas rouvrir le mur, c'est unidirectionnel. Si, non, c'est ça, je suis fait comme un rat. Cochonnerie. Putain, c'est hallucinant. Combien? 3 passe-partout, il disait. Non, 2, oh, ils abusent. Compétences, j'en ai des compétences. Crochetage, je deviens un dieu. Je suis fou. Allez. Safe cracker. Les salopes. Je sais pas où je suis. Attends, c'est le toit de la cathédrale, ça? Ouais, alors ça vaut pas du tout le coup. Ah, je suis déçu. Ça vaut pas autant de passe-partout. Hein. Je l'ai vu, tu m'auras pas. Ah si, tu m'as eu. Oh non, j'ai cliqué dessus. Oh, vous êtes chiant. Qui est jeune heure? Oh, je suis attristé. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est beau! C'est beau! I regret only once we worked together. Now the game has changed.
You came all the way to Paris to tell me that? It is a simple message I am demonstrating. We know where you are going and what you intend. And I know something about you. You know you will be defeated. C'est horrible. À ces moments-là, tu les savoures. Je connais le mot tueur que nous a assigné le mec. C'est la putain de machine. Ah oui, cette putain de machine. I know your UNATCO kill phrase. The Putin machine. I am not a machine. Sticks and stones. We did certainly teach you how to fight, didn't we? You're worried, Simons. We almost have a cure. You have nothing. Even if Everett succeeds, you can't synthesize enough vaccine to stop an epidemic. You need a universal constructor, and don't think Page Industries is going to leave one lying around for you to use. Not after you blew up the one in Hong Kong. I was never properly trained in its operation. Laugh it up, Denton. Next time we won't use an old box of bolts like Gunter. The only reason I let him go to Paris is that I was sick of his moaning about Navarra and constant requests for a tune-up. You sent him because you knew he would fight to the death. He was the last of the mechs. Next time you will face someone of your own abilities. D'autre à faire. Un nombre, un secret. Ouais. Là, j'ai pas complètement fini la cathédrale, tu me diras. Mais j'en ai peut-être trop des grenades. Est-ce que je me fais chier? Ah non, j'en ai pas assez, non. Getting what I need. Good work. I will now consent to meet you in person. Go to the metro station nearby and await my instructions. Ah, la station de métro. Ça me fait une joie d'y retourner. Oui, j'ai eu la grenade. Tout me réussit. Huh?
Ninja, ninja style. Ninja, ninja style. Do it, do it. Chaussée au moine. Oh. Oh. C'est français. What do you want? How the hell do I get out of here? Just go up the steps and out the door. Now leave me alone, I am busy. They will kill me if I talk to anyone. Oh, alors, qu'avons-nous là? Ah merde, c'est vrai que je suis en pleine forme. Excusez-moi. Putain, c'est pas encourageant, hein, 2050. Dans le monde, on boit que du soda, du chocolat, du whisky, de l'agnole, du vin. Et du soja lyophilisé si tu veux manger équilibré. T'as que du soja lyophilisé. C'est triste. Ah. Ah, merci. Ah. Ah. Je prenais mes aises, mais j'avais pas vu qu'il y en a qui étaient à la cantine. Ah. Hey, that's the one. Okay, this was some kind of mess. Ça va, il y en a deux qui sont en pause et qui se la coulent douce. Je n'étais pas prévu au programme. Erreur de protocole. Erreur de protocole. Je croyais qu'ils étaient deux. Comment ça se fait qu'ils sont trois? Je croyais qu'ils étaient que deux. Alors là. C'est gentil ça. I need to rest my feet. You should go back to the barracks. What are they thinking? 8 straight hours of walking around a vacant cathedral? What's the point of that? They think he contacted Everett. He'll probably target the computer room. We should just smash that thing to pieces and all get a good night's sleep. Then there's the gold. The Illuminati are the only other organization that knows it exists. Yeah, like they could move 40 tons of gold out of here without being seen. Right. Now, all the same, we don't know what they have planned. C'est de là, je vais les laisser. They will kill me if I talk to anyone. Yeah.
Journée porte ouverte à la cathédrale. Tututu. Il y avait du matos que j'ai pas récupéré, je crois. Je sais plus où. Coucou. Je vais foutre le bordel dans la cathédrale, on s'en fout. Ah, bah c'était là que je voulais retourner. C'est bien. Je sais pas comment. La. Partie de la cathédrale que je n'ai pas faite. C'est agaçant, hein.
Ah bah voilà. Il y avait un bon de crédit. Magnifique. Deux pour le prix d'un. Putain, ça fait plaisir. Oula, oulala, oulala. C'est le journal d'un mec. Oulalalala. J'ai de la lecture. Alors attendez, il y a les 4 bouquins sur les présentoirs en haut. C'est juste la folie. C'est quoi la clé? Ah, d'accord. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Bougou. Ah oui, pardon. Anti-recul. Bah ça. Bien là. Donc. Alors, infocube. Ah bah je l'ai déjà l'infocube. Attends, je vais fouiller les autres pièces. Ah, c'est le dortoir, d'accord. Enfin, ils se servent de l'endroit comme dortoir. Donc, ah oui, bah, je suis riche, laisse tomber. Je regrette pas mon... Non, il va y avoir... Ah, c'est l'extérieur. D'accord. Ah oui, il y a une petite baraque dehors que j'ai pas faite. C'est vrai, j'avais oublié la baraque que j'avais vue au loin en... approchant de la cathédrale. Alors, c'est pas comment j'ai décroché ce boulot. On m'a dit que c'était pour une organisation privée de sécurité, mais j'aurais dû me douter qu'il y avait du louche quand ils m'ont rien demandé sur la tôle et pourquoi j'y étais allé. N'importe quoi. Et me voilà à faire les 100 pas dans cette saloperie d'église lugubre en plein milieu de Paris. Personne d'autre à qui causer que ces abrutis de zombies habillés en noir et ce cuisinier fou qui s'excite tout seul à propos de temples ou de templiers et comme quoi il cuisinait pour les riches ou je sais plus trop. La bouffe est pas si terrible que ça ici. J'ai pas trouvé de ketchup. Et excellent. Et puis il y a cet allemand méca augmenté qui s'est amené hier. J'ai déjà rencontré des mecs pas rigolos dans ma vie, mais lui c'est le roi. Il ne pense qu'à tuer. Il ne reste debout là en bas que la salle... Quoi ? Il reste debout là en bas dans la salle des archives comme un robot. J'étais en patrouille dans le cellier pendant 10 heures et il n'a pas bronché. Il n'est pas humain. On dirait qu'il attend quelque chose. Je crois que je l'ai entendu pleurer une fois. Alors, la doctrine des puissants par le conseil des Majectis 12. Personne ne contestera le fait que 2 est supérieur à 1, 4 supérieur à 2 et 16 supérieur à 4. Non, contre cela, personne ne peut avoir d'argument. Et si l'on doit ne retenir qu'une seule leçon de l'histoire de l'humanité, c'est que si on se souvient des individus, ce sont les organisations qui durent et prospèrent. Un artiste, un général, un héros ou même une canaille finissent toujours par mourir. Alors qu'il est impossible de tuer un peuple, une nation ou une idée. Sauf quand cette idée a perdu de sa force de conviction et qu'elle est supplantée par une autre qui lui est supérieure. Ceci, alors, serait la grande vocation des puissants parmi les puissants qui rejoindraient ceux qui gouvernent le monde avec majesté pour rejeter une gloire et une renommée vide de sens, pour éradiquer les idées, les pensées et les mains trop faibles, pour renoncer à tout individualisme en devenant partie d'une entité forte et magnifique. Ceci est le premier secret. Le renoncement du moindre au bénéfice de l'essentiel, le premier secret vous libère, et ceux qui accomplissent leur devoir y trouveront les clés de l'immortalité. Le second secret peut être expliqué à tous, mais seulement compris de ceux qui sont soumis corps et âme au premier. La doctrine du Majectis 12, toi. Ah putain.
Bon, je crois que j'ai tout fait, hein. Ouais. Attends, non, il n'y avait pas un livre, là? Si, c'était un livre, ça. Ah bah, c'est le duplicata, d'accord, ok, ils sont lobotomisés, les Mickey. La 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 la. Diba diba dabidou. Dabidabadabou. Ah, ce ciel. Ah, oh, Paris. Alors, La Croix-Rouge, une histoire des Templiers de Richard Baigne. Volume 3ème. Ah merde, d'accord. Alors, attends, ok, c'est des 4 volumes, la collection intégrale. Où est le 1? Non, où est le 1? Voilà, et ça c'est le 4, c'est ça? C'est ça. Alors, je vais me faire une joie de tout lire. Je vais boire un coup avant, parce que là j'en ai pour un quart d'heure de lecture. Bah non, j'exagère, 10 minutes. Titre de l'épisode, ce sera une cathédrale et un peu de lecture. La Croix-Rouge, une histoire des Templiers de Richard Baigne. Volume 1er, Défenseur de la foi. Et jusqu'à la libération de Jérusalem, le sort de la Terre Sainte resta précaire, encerclé de toutes parts par l'ennemi mahométan. C'est alors qu'Hugues de Payen, un chevalier ordinaire de Champagne, et 9 autres de ses compagnons firent le vœu de défendre les pèlerins et de protéger les chemins menant en Terre Sainte. Accueillis par Baudouin II, le patriarche de Jérusalem, il leur concéda pour logis une salle de son palais de l'esplanade du Temple, et c'est ainsi qu'ils devinrent les pauvres chevaliers du Temple. Il ne fallut guère de temps pour que, dès le concile de Troyes, les Templiers adoptent l'austère et monastique loi monacale de Saint-Bénédicte et les tenues blanches des Cistériens, les complétant d'une croix rouge symbolisant leur propre sang, un sang qui était tout prêt à verser sans sourciller pour défendre la foi. Les Templiers, dont on murmurait qu'ils étaient des lions au combat et des agneaux au foyer, entrèrent rapidement dans la légende. Bientôt libérés par le pape de toute autorité laïque ou épiscopiale, à l'exception de celle de la sienne elle-même, les Templiers virent aussi leur terre exonérée de toute taxe. Alors, le livre 2. Les Lions de Dieu. Et chaque royaume d'Europe fit des donations à l'ordre, en terre, en or, en armes et en hommes. Combat après combat, ils triomphaient de leurs adversaires, toujours les premiers à l'attaque et les derniers à la retraite. Les fanatiques du champ de bataille, selon les mots de Jacques de Virty. Et lorsqu'ils étaient faits prisonniers, ils refusaient toute opportunité de libération, préférant devenir des martyrs de la cause de Dieu. Avec toutes ces victoires, l'ordre grandit et prospéra. À l'apogée de leur puissance, on dit qu'ils possédèrent plus de 9000 domaines à travers l'Angleterre, la France, l'Italie et la Terre Sainte, y compris un immense réseau de châteaux et de commanderies pour protéger les fréquents pèlerinages vers Jérusalem. Les Templiers gouvernèrent virtuellement Jérusalem et, au nom de ce qui ne peut être appelé qu'une prétention démesurée, refusèrent toute autre autorité sur leurs affaires que celle de l'Église. À partir de 1250, les réserves financières de l'ordre étaient devenues tellement considérables que certains pèlerins prirent l'habitude de déposer leur or dans un temple de Paris ou de Londres avant de le récupérer en arrivant à Jérusalem, établissant ainsi les fondations du système et des comptes bancaires modernes. C'est très intéressant. Volume 3, La chute des chevaliers. Et même si certaines charges sont discutables, il est incontestable que les Templiers, à mesure qu'ils devenaient plus prospères, se conformèrent de moins en moins aux préceptes de l'austère ordre monastique de la vision de Hugues de Payen un siècle auparavant. Et en fait, même des criminels et des excommuniés furent accueillis dans l'ordre dès lors qu'ils faisaient vœu d'obéissance. Des rumeurs sur les rituels d'initiation secrets et sur l'occultum infâme ou l'obscène baiser, se multiplièrent, ainsi que certaines histoires narrant leur vénération de dieux païens. Mais c'est leur rivalité avec l'ordre des hospitaliers et leur extrême arrogance qui fit principalement responsable de leur chute. Et, alors que Jérusalem était définitivement abandonnée aux forces puissantes de Saladin, Philippe le Bel vit là l'occasion tant attendue de mater les Templiers, tout en accroissant considérablement sa propre fortune. Mais ça, c'est l'histoire des rois maudits. Avec la coopération du pape Clément V, Philippe accusa l'ordre d'hérésie et fit arrêter en 1310 tous les membres de l'ordre de France, les soumettant à la torture afin de déterminer le bien fondu des charges qui pesaient sur eux.
charge aussi fantaisiste que celle de sodomie, d'apostasie et d'idolâtrie. Ah, je me souviens toujours de la scène du péché et du délit de sodomie dans Les Rois Maudits. Les mecs, ils étaient embrochés par le fion à la barre de fer chauffée à blanc. C'est horrible. Une dernière sodomie. Ah, c'est horrible. Bref, la Croix-Rouge. Voilà, une histoire des Templiers de Richard Baigne. Oui, donc, volume 4, la descente dans les ténèbres. Mais en dépit des efforts de Clément pour les poursuites soient annulées, les confessions étaient là. Ceux qui se repentirent échappèrent aux flammes, alors que 50 chevaliers qui avaient choisi de se rétracter devinrent relapsie, une rechute promptement soignée sur le bûcher. Les Templiers survivants de France reconnurent rapidement leur culpabilité et en 1312, l'ordre fut dissous par le pape. Alors c'est marrant, il y a une référence de ça dans un autre jeu vidéo qui est Les Chevaliers de Baphomet, le premier du nom. Enfin bon, bref, et puis sûrement dans d'autres, c'est historique. Bref, les Templiers furent longtemps soumis au roi et aux lois, mais ils finirent dévorés par l'histoire. On a longtemps débattu pour savoir si la dissolution plutôt scandaleuse de l'ordre était entièrement fortuite, et certains sont allés jusqu'à penser qu'elle pouvait n'être qu'une machination de certains Templiers eux-mêmes, considérant qu'une aussi puissante organisation ne pouvait avoir été anéantie aussi facilement et rapidement. Il existe d'obscures spéculations sur un mystérieux chariot de paille qui quitta leur commanderie de Paris, et certains historiens n'ont pas hésité à affirmer que les Templiers protégeaient le secret du Saint Graal ou encore celui de la transmutation. Alors que d'autres soutiennent qu'ils s'enfoncèrent sous terre et fondèrent plus tard les puissantes et discrètes banques suisses. Oh, c'est génial! C'est trop bien! Imbo! Imbo! C'est-à-dire en japonais, conspiration! Conspiration! Ah, je n'en peux plus! Je n'en peux plus, je suis perdu. C'est la même chanson. Ah, je me le fais en sport. Allez, mon salaud, viens par ici. Il est mort, le couillon. C'était le dernier en plus, je crois. Bah, il y a les deux abrutis dans les sous-sols de la cathédrale avec le cuistot qui sont en pause et ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre du comment, du pourquoi ils sont morts. Bah, ils sont seuls surtout. C'est une forme de mort, on va dire. La mort de leur service. Ça vaut le coup. Je pense pas hein, pour une caisse, franchement. Ah, alors c'est quoi? C'est du un passe-partout ou c'est de l'explosion? Bon, on va être gentil, on va faire le passe-partout. Le passe-partout. Accessoire chargeur, si ça vaut le coup.
Si, si, accessoire chargeur, ça vaut beaucoup le coup. Hop là. Et je veux bien avoir un plus gros chargeur. Ah, c'est bien. Bon. Oh, c'est pigeon. Oh, il est con, ce rat. Il se la raconte. Ah. Attends, ça, il est où, ça? Ah oui, c'était les... D'accord. C'est là où on se laisse là. Ah oui, je peux monter dessus. Oh, trop bien. Trop bien. Oh, merde. J'avais oublié qu'il y avait des robots. Je prends un peu trop mes aises. Putain, c'est beau Paris. Regardez comme c'est beau Paris, admirez Paris. Il y a un truc, il y a quelque chose. Ah non, c'est juste une petite fontaine de merde. Non, 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 attends, elle est pas de merde. Attends, attends, elle est pas de merde, elle est très bizarre. Non, non, c'est pas une fontaine de merde. Attends, attends. Total, la lumière, les poumons, tout. Oh. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme. C'est juste énorme. Oui, ça me intéresse. No need to be alarmed. For now, I can protect you and Davis for a day or so. Ok. Ouais, c'est bien. Alors, le métro. Métro, c'est tout. Métro, c'est tout. Merde. C'est la police. C'est la police de France. Non, c'est le MJ12. Alors rendez-vous au métro et attendez les instructions. Entrez en contact. Oui, bah ça on sait déjà. Oh merde. Error. It's not JC Denton. It's a ghost. Ghost in the machine. Ah. Oh.
were just a prototype, Denton. A prototype for me. You travel at your own risk tonight, monsieur. Thank you, monsieur. Au lieu de dire sœur, ça change un peu. Bah. Ah oui, c'est vrai qu'il y a personne dans le. Là, en même temps, on s'en fout. Pardon, monsieur robot. Toby, Toba, Tibidibidi, Tibidibidi, Toby, 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 Toba. Dre chic, le freak, c'est chic. Freaka! Le freak, c'est chic. Freaka! Ouais, non, là déjà. J'ai visité la cathédrale, elle est très belle. Elle a beaucoup d'or. Le freak, c'est chic. Ah, ça doit être lui, mon contact. Freak. Alors, Toby. Ah non, c'est un flic. Je me suis planté, autant pour moi. The terrorism alert is still active. Ah bah merde alors. Le coup du cône. Bande de cons, j'aurais pu pirater un. Hein? Bon. Je la retente pas, on est d'accord? Je la retente pas, je la retente pas! Oh non, je la retente pas. Un match pas. Un Teddy. Même dans mes rêves les plus fous, c'est un Teddy. Bon, il est où, Toby? Make sure your travel documents are in order. Yes, sir. Keep going. Atanwe is in the tube below. Je sais plus où je crois que j'y suis allé. J'aime bien la texture de des murs du métro de Paris. Only a couple of trains are running. Mais j'avais cru comprendre. Non, toi aussi, tu aimes le train? J.C. Denton, I will take you to Everett, but you will be forbidden to learn the way yourself. That will be quite a trick. You will not be armed in any way. Do what you must. Step a little closer. See, no inconvenience whatsoever. Everett must be paranoid. We all are. The Illuminati is getting a taste of its own medicine. Has he made any progress on the Great Death Virus? Your uplink provided the missing encryption key. He has been able to complete the work that Professor Tong began. I must see him at once. He is downstairs in the lab. It would be rather serendipitous if Bob Page invented something Everett could not figure out.
Voilà qui va vexer. This line has been shut down by order of UNESCO. We have never failed to decipher Majestic 12's plans. Stopping them, however, has been another matter. Ça, c'est de la demeure. Help yourself to a snack. Merci, madame. Carmela. Do not to disturb Lucius de Beers. Ne dérangez pas les mèches de Beers. Mais je suis obligé de visiter, je suis chez les Illuminati, alors. C'est la classe. Je sais plus où mettre les yeux. Sans crédit. Oh, c'est pauvre. Majestic 12, j'avais 450-500. Private Chamber, Chamber de la Mode. Oh là là, bon crédit. Je suis en train de shipper le 13e mois de la mode. C'est dégueulasse. Je crois que c'était une fenêtre, moi. Ah oui! Ah oui! Ah putain, j'avais pas vu. Ah, c'est la double douche! Oh! Ça m'excite. Arrêtez. Oh oh oh! Là, le code. La trappe de l'aquarium. Oh, je sens que je vais faire le con. Je sens que je vais faire le gros con. Toujours la même, Senior Reporter, Vassal Live. L'aquarium. Ah bah merde alors. Caché. Non, il y a rien de caché.
Non, il y a un chat. Ah, l'aquarium, je crois que je vais rire. Oh, le chat qui passe au travers du canapé. C'est un chat magique. Le chat magique. Le Magic Cat. Alors, clic l'aquarium. Je crois que je vais me voler. Oh merde. Surtout qu'il y a des trucs dans l'aquarium, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Attends, laisse-moi deviner. Ah non, là c'est le. Attends. Ah, je vais me faire réparer. Vous êtes qui, vous? Ouais, je suis pas minable. Mais qui est cet homme? So this is where the Illuminati ended up after centuries of conspiring to rule the world. The conspiracy is about to begin again, JC, between you and me. Nicolette was wise to bring us together. Wise like her mother. The most effective partnerships, like Beth's and mine, arise from mutual necessity. I came to talk about the Grey Death. Atanwe said you cracked the virus. A trivial matter. Paige added nothing to the core design. However, what we need to construct is a carbanocarbon ROM module, not exactly a vaccine. Can it be done without a universal constructor? No, we need time on a UC. But I know where we might find one, and also gain access to the US military networks. US military? To stop Icarus from completely destroying the Daedalus AI. Daedalus is a design of mine. It replaced the old Echelon 3 network. Echelon? The surveillance system for the United Nations. So Daedalus was an MJ-12 tool and rebelled? More of a pattern-matching error. It classified Majestic 12 as a terrorist group, alongside the NSF and Silhouette. And alongside the Illuminati, right? Are you sure Daedalus is your ally? What matters to us is that it opposes Majestic 12. We must help it destroy their intelligence apparatus. But that will require the military networks. I have already contacted Gary Savage of X-51. The former Area 51 scientists, are they still camped out at the Vandenberg Air Force Base? They are close to completing a UC, and have the kind of connection Daedalus will need. Sounds like my pilot and I should head to Vandenberg. Yes, I took the liberty of radioing him. Here is the key to the helipad stairway. The door is in the foyer where Atanwe revived you. Good luck. I will be in contact. L'énergie. Je vais économiser l'énergie.
Oh non, pourquoi j'y ai pas droit? Non. C'est obligé, je dois y avoir droit. Don't forget to say hi to your friend from UNETCO, Mr. Jacobson. Alex is here. In the side office. Very thoughtful of Tom. My own computer technician. I suppose he can help me prepare a comlink for Daedalus. You saw a piece of Echelon 3 in Beth's chateau. We salvaged some of the hardware. Ah, d'accord, dans le château de Nicolette Duclair et Bette Duclair, c'était en fait une partie des chevaux 3. Ok. Oh là là, c'est énorme. C'est énorme, c'est à moi. Ah non, le gros vandal. Trop drôle. Ah oui. J'avais même pas vu le décodeur. Alors, jette-moi ça. Et je vais aller voir mon copain l'informaticien. Alors, précision. Précision. Ça me plaît. Laser. Personne, je crois, avec tout le monde là. Voilà, je suis content de t'avoir dévalisé, ma couille. Surveillance used to be daemon-based. Daedalus is more distributed. A blip of his code runs on every communication device on the planet. Sérieux? If we control communications, we can organize and the other side cannot. Ah ouais. Lack of organization is exactly what has plagued X-51. Ah oui, je pense bien. They're great scientists, but isolated. They left Area 51 to protest Majestic 12's experiments, and that's what it amounted to, a protest. They don't even coordinate with the NSF, which is headquartered a few hundred miles to the north. You see the need for global organization. Someone has to bring these disparate groups together. X-51 has assembled excellent technology. They just need someone to help them use it. You will be my representative at Vandenberg. Ah ouais, d'accord. I will trust you to find a way to manufacture the cure. Ça va être énorme. Et j'ai toujours pas vu ton aquarium. Meanwhile, I have other preparations to make. Oui, you will be my representative at Vandenberg. D'accord, tu auras d'autres, c'est bon, c'est que t'as tout dit. Mais il faut que j'aille dans ton aquarium, hein, ma couille. Je vais aller voir mon copain. Excuse-moi, je t'ai snobé parce que j'ai plein de trucs importants à faire. Alors, on fait de la culture de végétaux. Good news, huh? Looks like we might pull this thing off. Alex, what are you doing here? Tong sent me. He wanted me to help with the decryption. Looks like Everett has it all figured out. Listen quickly. Tong doesn't trust the Illuminati. He sent me here to keep an eye on Everett. I see. How about the triads? Is the truth going to hold? Last I heard. But I guess we have other things to worry about now, huh? I'll keep you in touch through your info link. I'll try my best to keep you informed. Yes, do exactly that. Keep me informed. You won't be hearing from Tong for a while. He had to leave Hong Kong. Why? The triads? He said he had some business to take care of. I don't know. He didn't look so good. Ah bon? Sick. Either that or something was bothering him. The last thing he said to me, it was something about all the machines in his lab being useless. And then he cut off the connection. Useless for what? It was just an outburst. I don't know, but he wants me to wait here for instructions. JC, Tong is serious about Everett. He wants you to be careful. While you're in the air, I guess I'll be helping Everett prepare Daedalus for the attack. I hope he knows what he's doing. The Echelon kernel was designed almost exclusively for collecting data, so we have to add functionality for memory wipes, thread termination, that kind of thing. It's not often you get to construct a software worm that might do some good for the world. Oui, c'est sûr. Everett and Tong will need some control of the network if they're ever going to come out of hiding. Oui, ben oui. Good luck at Vandenberg.
Alors, Toby, je crains que de devoir rester un moment dans le labo à travailler sur ces nouveaux développements très intéressants. Si vous avez besoin d'accéder au système de sécurité, le code de la semaine est Pinchon. Nous devons être encore plus prudents maintenant avec la manière dont les choses ont tourné dernièrement. Je crois que Bobby ressent les premiers signes d'appréhension et il a tendance à réagir de manière excessive. Si Lucius continue à se plaindre, vous devriez pouvoir accéder à son soutien vital avec le mot de passe depuis l'ordinateur central. Mais n'augmentez pas sa température de plus d'un degré, je ne veux pas qu'il fonde. Signé Everett. D'accord. Ah, j'ai bu ton soda, ma couille. Et là, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Bref, je ferai ça au prochain épisode. C'était génial. Mais là, faut que j'arrête, j'abuse.